Les Verseaux, ça fait super plaisir de vous retrouver sur Fasta. Donc on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Verseaux. Allez, cutting the deck for Aquarius. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me suis mis tranquille dans un coin parce que je tenais à faire quand même une vidéo aujourd'hui. Allez, les Verseaux, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Les Verseaux. On a le King of Cups in Reverse, donc ça peut vouloir me dire que vous avez envie de vous exprimer, que vous avez envie de parler, que vous avez envie de dire les choses aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'allez rien cacher. Si par exemple il y a quelque chose qui touche à vos sentiments ou qui touche, vous n'allez pas réfléchir et vous allez le dire spontanément. Et ça c'est une bonne chose. Ça peut vous ouvrir quelque chose de concret, mais ce que je vois ici c'est que en ce moment il y a énormément d'informations ou de prises de conscience et c'est quelque chose de concret qui va vous aider à vous réaliser. Dans le futur ou alors avec la famille ou quelque chose comme ça, c'est vraiment ce que je vois en ce moment. On a le Nine of Wands qui vient me dire que même si c'est des jours de fête et tout ça, qu'en ce moment c'est difficile pour vous et j'ai l'impression qu'en ce moment encore une fois vous tendez l'oreille, vous vous exprimez et des fois vous avez le retour de bâton ou le retour de la vague, mais que ça vous permet de faire des prises de conscience en fait, ça vous permet de faire des prises de conscience. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un nouveau départ, vous avez le monde dans votre main. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous allez voyager, que vous allez partir, que vous allez faire quelque chose de grand, quelque chose de nouveau ici. Pour l'instant, vous n'en avez pas encore le courage, vous n'en avez pas encore la passion, mais les choses vont changer très bientôt. On vous demande aussi de ne pas vous précipiter. Et la Queen of Swords vient me dire ici que vous savez que ce que vous faites en ce moment, même si c'est inconfortable, c'est bon pour vous. D'accord? Donc le fait de vous ouvrir, le fait de parler, tout ça. Et même si ça peut être inconfortable, que ça peut amener à des disputes, que ça peut amener à... comme je l'ai dit, voilà, c'est les fêtes et tout ça, mais vous allez quand même vous exprimer, vous allez quand même parler, vous allez quand même dire les choses avec sagesse, avec courage, et ça va... Il y a quand même des prises de conscience assez énormes que vous allez faire ici, mes amis Verseau. Encore une fois, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'allez pas forcer les choses, que vous n'allez pas imposer, et que vous allez faire appel à la sagesse de l'univers et à votre sagesse intérieure. Ici, mes amis Verseau. Où en est l'énergie qui vous fait face, que ce soit une personne, une histoire d'amour, l'envie de créer une entreprise ou quoi que ce soit, mes amis Verseau. Où en est l'énergie qui vous fait face? Où en est l'énergie à laquelle vous faites face en ce moment, pour ceux qui regardent ce reading? Où en est l'énergie qui vous fait face, my friend Aquarius? Regarde ça tout de suite. On a le Magician in Reverse, donc ça peut vouloir me parler... Normalement, quand j'ai le magicien de reverse, ça me parle de manipulation. Ça vient me dire que quelqu'un essaie de trouver un stratagème pour pouvoir justement vous rapprocher ou pour pouvoir vous parler ou pour pouvoir vous dire quelque chose. Mais que cette personne ne sait pas comment faire avec le Two of Wands. Encore avec le Two of Wands. On m'a demandé de traduire en français les cartes, que tout le monde parle anglais et tout ça, mais je m'en conne. Je le dis en anglais. S'il y a d'autres chaînes ailleurs, allez voir ailleurs, c'est pas grave. Je fais passer les messages, encore une fois, moi, les cartes et tout ça, je m'en fous en fait. Je me canalise, je me connecte. Quand j'ai un message de la source à vous faire passer, je vous fais passer, bon, j'appelais ça Five Star Tarot, mais on fait passer les messages. Hein. L'Impress, ça vient me dire qu'il y a une personne ici qui veut se réaliser avec vous, qui voudrait une famille avec vous, qui voudrait un enfant avec vous, qui voudrait un nouveau départ avec vous, qui voudrait vous dire quelque chose. Mais cette personne, elle a peur. Elle a peur de venir ici, avec le Fool, ok? Elle a peur de venir vous voir. Vous avez le Ace of Wands qui me dit que cette personne... Elle est conseillée en ce moment par la source, par toutes les forces de l'univers, à exprimer sa passion, à vous dire quelque chose. Encore une fois, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous appelle, mais encore une fois, ce que ça vient me dire ici, c'est que, encore une fois, je n'ai pas le pouvoir sur le free will de quelqu'un. Mais apparemment, cette personne, c'est-à-dire que c'est elle qui décide, hein, ce n'est pas moi, bien entendu. Mais on a le Seven of Pentacles ici, in reverse. Ça vient me dire que cette personne, apparemment, elle serait en bonne voie, hein, pour pouvoir venir vous parler, pour pouvoir venir... vous exprimer, parce que vous êtes aussi en train de faire des prises de conscience de assez puissantes ici, mes amis. Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne, mes amis Verseau? Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne? Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne, mes amis Verseau? Si je devais faire ce reading pour une personne, je le ferais quand même, je veux dire. Qu'est-ce que vous projetez je vais pas changer ma façon de faire, machin, je veux dire. Je m'en conne que vous saviez pas, que vous connaissiez pas l'espagnol, le grec ou l'arabe, je m'en branle. Je veux dire. Ceux qui résonnent avec moi, ceux qui sont ici, c'est ceux qui résonnent avec moi. Si vous résonnez pas avec moi, vous forcez pas. Ça, c'est clair et net. De toute façon, c'est clair et net que je vais pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, où se trouve... voilà, c'est marrant parce que je baigne dans vos énergies des Verseaux et regardez comment je m'exprime. Normalement, est-ce que je fais ça ou alors sur vous? Mais vous voyez, les Verseaux, généralement, je parle pas comme ça. Et là, tout d'un coup, bah, je balance tout. Donc, c'est un peu comme ça que vous êtes en ce moment. Et je vais peut-être prendre le retour de bâton. Hein. Je vais peut-être me réveiller demain. J'aurai 300 abonnés qui seront partis en me disant « Matière Fujet, t'es qu'une grosse merde. Bah, » ça me fera une prise de conscience et je passe. Et je changerai pas. Je continuerai avec ma tête de mule, bien entendu. Mais l'énergie que je vois ici, ce que j'essaie de vous transmettre comme message, c'est qu'il y a peut-être que vous allez braver les interdits, qu'il y a peut-être des trucs lourds qui vont se faire, mais ça... C'est, en ce moment, c'est ce que vous faites, les Verseaux. Voilà. Qu'est-ce que vous projetez sur l'énergie d'en face? Donc, vous voudriez que l'autre, en fait, se revendique. Hein, c'est ça. Hein. Vous pensez que l'autre, en fait, il veut absolument qu'il est en guerre avec vous et qu'il veut obtenir la victoire hein, pendant ces périodes de fêtes de fin d'année-là. Vous pensez que l'autre n'a plus de passion pour vous ou qu'il cache sa passion pour vous. Vous pensez que l'autre ne veut, vous savez que l'autre ne veut, vous savez, j'ai utilisé le mot savez, que l'autre ne veut plus être cristallisé dans le passé. Et vous savez que l'autre a peur de venir vous voir, mais vous savez aussi que l'autre a une grande passion pour vous. Et vous savez que c'est ça qui va peut-être l'amener aussi à venir discuter avec vous. Donc je pense que c'est pour ça que vous n'êtes pas en mode guerrier, en mode la victoire à tout prix comme des crétins, mais que vous allez parler et que vous allez vous exprimer. Hein. Qu'est-ce que cette personne, elle projette vers vous? Qu'est-ce que cette personne, elle projette vers vous, mes amis Verseau? Que vous soyez Verseau ou pas, de toute façon, c'est l'énergie du moment. Je pense que c'est l'énergie masculine, l'énergie féminine. Tout le monde peut regarder ce reading. Ouais, c'est clair et net. L'autre, qu'est-ce qu'il projette vers vous? L'autre, il pense que soit vous êtes sorti d'une illusion, soit vous êtes sorti de son emprise, soit vous êtes en train de sortir. L'autre, il pense qu'il sait que vous n'avez pas fait votre choix encore. On a l'Ace of Pentacles ici, in reverse, qui vient me dire que, j'ai l'impression, King of Cups, donc l'autre sait qu'il y a des sentiments, que vous avez des sentiments pour lui, enfin c'est ce qu'il pense. Il pense que vous avez des sentiments pour lui, mais que vous avez changé et que vous ne parlez pas avec lui, parce que peut-être que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un d'autre, ou que vous avez réalisé quelque chose de puissant ici, et que vous ne pouvez plus vous plier à ses exigences, ou alors à peut-être un sort que l'autre vous avait jeté, ou alors le fait d'être tout le temps en train de chaiser, tout ça, donc, ça vous êtes vraiment sorti de là, et ça l'autre le remarque grandement, et ça le touche dans son ego, c'est pour ça que, s'il revient vers vous, il va faire beaucoup moins le malin. Quels sont vos désirs profonds, même inconscients, par rapport à l'autre, mes amis Verseau? Ça, c'est ça qui est très intéressant à voir. Quels sont vos désirs profonds au niveau de l'inconscient? Quels sont vos désirs profonds ici, mes amis Verseau? Vous voudriez que cette personne, elle sort de sa solitude. Vous voudriez que cette personne, elle, avec le King of Cups in Reverse, que cette personne, elle exprime ses sentiments. Vous voudriez que cette personne vous parle de quelque chose de très concret, parce que vous n'êtes pas là à tourner autour du pot, pas envie de jouer. Victoire, bien entendu, énergie des lions, Six of Wands. Vous voudriez que cette personne... On vous demande de sortir des tristesses de la nuit noire de l'âme et tout. Je sais, c'est très difficile. Apparemment, elle vous a fait une grosse crasse, cette personne. Beaucoup de coups fourrés, pas de communication et tout ça. Nine of Swords. Et vous voudriez que cette personne, elle vient de s'exprimer, qu'elle se dépêche de s'exprimer parce que vous voyez que le temps passe et tout ça, que la vie passe et que les opportunités passent et que tout passe, mes amis Verseau. C'est vraiment ce que vous désirez. Le cœur veut ce que le cœur veut. Et c'est très louable à vous et c'est très... Enfin, on explique ça clairement. Maintenant, qu'est-ce que l'autre désire vraiment? Qu'est-ce que l'autre désire vraiment? J'ai l'impression que ça vous fait même une pointe au cœur quand je vous dis ça, les Verseaux. Qu'est-ce que l'autre désire vraiment? Qu'est-ce que l'autre désire vraiment vous concernant, my friend Aquarius? Qu'est-ce que l'autre désire vraiment? L'autre, il voudrait que vous vous détachiez de quelque chose. Apparemment, vous seriez attaché à quelque chose, donc dans une prison. Le Page of Swords, l'autre sait que vous ne dites pas la vérité. L'autre voudrait que vous voyiez en lui clair. Et l'autre, il voudrait aussi rétablir un équilibre. Il voudrait rétablir une justice. D'accord? Il y a le Page... Peut-être... Alors, c'est marrant, mais l'autre, il aimerait peut-être vous faire comprendre que...
qu'il n'est pas parti à cause de l'argent ou des ressources ou quelque chose comme ça, mais que c'était quelque chose d'autre. L'autre voudrait que sortir. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est retenu ici, qui voudrait rétablir les choses, une injustice. Et aussi, j'ai l'impression que l'autre, il vous voit. En fait, j'ai l'impression que l'autre vous a vu pendant longtemps, peut-être comme si c'était vous qui l'aviez abandonné parce que c'était, il n'était pas bien. Mais il s'est rendu compte que c'était ses visions de lui-même en fait, et qu'il l'a saboté toujours tout seul, et c'est lui qui a fait les mauvais choix. Donc maintenant, du coup, l'autre voudrait revenir vers vous, il voudrait vraiment s'expliquer et tout ça. Tout à fait possible. Mais ça lui demande du courage. Et j'ai l'impression aussi que l'autre pense que vous êtes pris quelque part et que bah, il peut pas le faire en fait, déontologiquement ou quelque chose comme ça. Il voudrait vraiment, en fait, ce qu'il voudrait vraiment faire, c'est venir réparer quelque chose. Il voudrait vraiment réparer quelque chose avec vous. Est-ce qu'il va le faire pendant les fêtes et tout ça? J'en ai aucune idée, je vais même pas poser la question, c'est débile de faire ça. Comme si on avait le pouvoir sur le free will de quelqu'un. Est-ce qu'il va venir pendant les fêtes et vous avez son amour? Pff, c'est bon quoi. Un conseil de l'univers s'il vous plaît, un conseil de l'univers s'il vous plaît. Justice et fou, donc encore une fois, équilibre, nouveau départ, hein. Équilibre, nouveau départ. Une histoire de destinée là-dedans, vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Est-ce que l'autre il va revenir vous voir, j'en sais rien, mais par contre on va avoir un message très clair de la part de l'univers ici sur la meilleure façon à vous de vous comporter, ok? Parce que des fois je le dis, hein, quand je le dis, vous devriez aller voir, vous devriez essayer, tout ça, c'est que j'ai ça, hein, Donc on vous demande de vous concentrer encore une fois sur vous-même, hein, d'accord? On vous demande de suivre votre passion, la chose que vous vouliez faire, le voyage que vous vouliez initier et tout, allez-y, foncez. On vous dit qu'il n'y a pas de justice et d'équilibre dans votre vie et tout ça, et ben si vous le ressentez, ne vous mettez pas morose par rapport à ça pendant les fêtes et tout. C'est un fait, c'est comme ça, acceptez le fait. Et là, on a le Seven of Cups in Reverse, encore une fois. Donc, laissez les autres aller à l'abattoir, comme dirait Jaco, et vous avancez vers le soleil. Laissez les autres aller fourrer la dinde là, et machin, et bouffer plein de sucre. Et vous avancez, hein, écoutez les musiques, It's the best time of the year, ok? Et vous avancez vers le soleil, d'accord? Prenez un billet d'avion, allez dans les montagnes, partout, dans la nature et tout ça. Faites ce que vous avez à faire, quittez votre boulot de merde, si c'est un boulot de merde, quittez les factures, la peur des factures. Vivez votre vie comme vous la vivez. Vivez libre, vivez fort, vivez heureux comme des Spartiates. Surtout, ce que ça vient me dire, je vous l'ai souvent dit les Verseaux. Indépendance, si vous voulez réaliser votre rêve. Okay. Vous pouvez être en couple et aussi être indépendant. Okay. C'est un message très puissant ici de la part de l'univers. Je vous l'ai souvent dit, il ressort encore ici pour vous. Eh ouais, ceux qui me suivent depuis le début. L'eau ne reste pas sur la montagne, ni la vengeance sur un grand cœur. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Exactement, l'eau ne reste pas. Et j'avais envie de vous lire un autre truc aussi, mais je ne vais même pas vous lire, je vais vous le montrer les Verseaux. Bien sûr, je voulais quand même profiter de ce reading pour... Je ressemble à Yves Saint Laurent avec des lunettes Yves Saint Laurent. Je voulais... Non, tu ressembles à Godefroy de Montmirail, le crétin. Bref, je voulais vous dire, mes amis, que... Merci à vous tous, à ma communauté. Encore une fois, je vous l'ai toujours dit, pour moi, ici, c'est comme une famille, en fait. Je vous aime tous et toutes, tous ceux qui sont raccordés à moi en énergie. C'est vous qui faites que je suis en vie et que je peux vivre mon rêve tous les jours et que je suis libre. J'adore partager ça avec vous et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, mes amis Verseaux. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star, j'espère que ça vous a aidé. Tenez bon, courage, réécoutez ce reading parce qu'il était court mais succinct. Tout, je vous aime. Je fais un big up à Dans les yeux de Jade, je fais un big up à Irene Rose Tarot, je fais un big up à Change de Monde, je fais un big up à Spirit of the Little Wood, toutes les chaînes qui me suivent, bien entendu à Hera, bien entendu Hera, je te fais des gros bisous, Cancer, Hera, et puis voilà, tout le monde, Sophia, Guidance Sophia, enfin tous ceux qui me suivent, il y en a plein, Aline, Medium, Voyance, tout le monde, quoi, Spiralide, je vous embrasse, voilà, je voulais passer un petit coucou à toutes les autres chaînes de tarot, j'en ai oublié plein, mais je vous fais tous des gros bisous, et voilà, quoi. Ciao, bye. Et puis bon, ceux que j'ai oublié, ne m'en voulez pas, ok?
Ah, 4 lunes de fil d'amour à l'âme. Enfin bref, tous ceux qui sont là, ceux qui sont pas aussi dans le tarot, là, les trucs intuitifs, les machins, les trucs flammes jumelles, les trucs que vous faites, tout partout. Voilà. Bon, allez. Dire, il est nul ton mot de soi-disant fin d'année, là. Mais bon, c'est pas grave. Ça venait du cœur. Allez, je vous embrasse. Bisous.